Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Donc, l'information que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des Haïtiens qui ont des visas américains, canadiens et Schengen qui ont vu refuser leur arrivée en République dominicaine. Selon une source crédible, plusieurs ressortissants haïtiens en provenance des États-Unis, du Canada et de la France, munis de leur visa valide dans leur passeport, ont été refoulés à bord des mêmes avions avec lesquels ils sont arrivés en République dominicaine, alors qu'ils se rendaient en République dominicaine. Ces incidents ont été produits au cours de cette semaine. Donc, c'est surtout dans l'aéroport de Santiago et Las Américas, Punta Cana également. Donc, c'est une situation vraiment critique que déplorent ces Haïtiens-là qui veulent rentrer en République dominicaine et qui ne savaient pas s'ils allaient d'un visa dominicain pour pouvoir fouler le sol dominicain. Donc, je rappelle tous ces Haïtiens qui étaient en provenance des États-Unis, de la France et surtout du Canada ont vu refuser leur arrivée en République dominicaine. Les agents de l'immigration dominicaine ont indiqué que pour le moment, tout ressortissant haïtien ne possédant pas de visa dominicain dans son passeport ne pourra ni transiter ni séjourner en République dominicaine. Cette décision a soulevé, je dirais, des questions quant à sa justification, d'autant plus qu'aucun responsable du gouvernement dominicain n'a encore fourni d'explication à ce sujet. Et puis n'oubliez pas, une source a informé que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine envisage d'écrire au ministre des Affaires étrangères de ce pays afin de clarifier la situation. Nous vous apporterons d'autres informations un peu plus tard concernant cette situation. C'est là l'information de ce jour-là. Partagez avec tous vos contacts, avec surtout des ressortissants haïtiens, vos frères, ces haïtiens qui veulent transiter via République dominicaine. Ce n'est pas possible sans le visa dominicain. Au revoir tout le monde.